Bonsoir à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous en direct du studio 52 de la VOA. Oui, c'est historique, le plafond de verre est brisé, l'Afrique atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde. Pour la première fois en quart de finale ce samedi, le Maroc a battu le Portugal 1-0. Cet unique but signé Youssef El Nesri permet à l'Afrique et au monde arabe d'atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde pour la première fois. Tout de suite, les titres de notre magazine de la Coupe du Monde. Sur. Les Lions de l'Atlas écrivent leur histoire et celle de l'Afrique en Coupe du Monde. Ils qualifient l'Afrique et le monde arabe pour la première demi-finale dans l'histoire de leur participation au Mondial. Le Maroc a défié et déposé le Portugal en quart de finale. On en parle dans ce magazine. Croatie-Argentine, c'est l'affiche de la première demi-finale de ce Mondial Qatar 2022. La Croatie a bouté hors du tournoi l'un des favoris, le Brésil et ses stars. L'Argentine, elle, a souffert, mais s'en est une fois de plus remise à son Messi, Lionel, pour s'inviter dans le dernier carré. Ce Mondial Qatari et ses surprises sont très suivis à travers le monde. Au Soudan, les femmes y voient une opportunité de rêver. Je le disais d'entrée, le Maroc et l'Afrique sont en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Liesse, partout où vivent des Africains et des Marocains comme à Rabat, à Salé et à Casablanca où notre correspondant Emmanuel Ngapila a recueilli quelques réactions. Cette victoire est une victoire pas juste nationale, mais à l'échelle du monde arabe et à l'échelle de l'Afrique. Ça fait depuis 86 qu'on attend une telle victoire. On est vraiment chanceux d'avoir un coach comme le Dragui, une fédération qui a été vraiment à la hauteur. Et puis, comme je vous dis, je vais vous le dire, la victoire elle est vraiment africaine, parce qu'en Afrique, le foot a un très très bon niveau et il mérite d'être reconnu à l'échelle mondiale. Et quand tu es en face de toi un adversaire qui est coriace comme le Portugal ou encore l'Espagne et que tu as un mental fort, le résultat il est positif. Et c'est ce sur quoi les Marocains se sont beaucoup appuyés et j'ai beaucoup apprécié la solidarité depuis le vestiaire, dans le terrain, sur le banc de touche. Et il y avait vraiment une certaine solidarité et ça payait. Et ça payait. Vraiment, j'ai vu une équipe soudée, une équipe déterminée jusqu'à bloc et c'est fort pour voir qu'ils aillent jusqu'en finale. Ça ne va pas m'étonner. Je ne m'attendais pas quand c'était. En fait, personne ne s'attendait parce qu'on a quand même joué contre des équipes hyper fortes. Mais moi, je pensais que le Maroc, il n'avait pas. En fait, je pensais qu'on n'était pas aussi fort que ça, mais quand même, ils ont réussi à nous rendre fiers enfin, à chaque fois, chaque match, même si on n'a pas fait de très grands scores, mais ils ont réussi quand même à rentrer. L'entraîneur Walid, il a dit que ce match, on allait y arriver. Moi, je le crois maintenant. Tout ce qu'il dit, je peux le croire. Mais je pense si on joue contre. Si on joue contre l'Angleterre, on est tout là, on a des chances. Nous, on a des chances. C'est l'histoire, mon ami. C'est l'histoire. On n'a jamais eu la chance d'arriver jusqu'en demi-finale. La dernière fois qu'on a battu le Portugal, j'avais 10 ans, c'était en 86. Ouais, et maintenant l'histoire se répète. Et on représente non seulement le Maroc, mais toute l'Afrique. Hein. Et on sait que toute l'Afrique est derrière, tout le peuple africain est derrière l'équipe nationale et aussi certains pays arabes. La victoire, c'est pour l'Afrique. C'est vrai, c'est une demi-finale africaine. Merci à monsieur l'entraîneur Walid Regragui, merci à l'équipe. Merci pour le bonheur. Mes enfants sont heureux, plus heureux. On va faire la fête dehors dans la rue. Voilà, merci à Emmanuel Ngapila depuis Casablanca. Merci pour le bonheur, disait bien sûr l'un des supporters. Pour décrypter tout cela, je ne suis pas seul avec moi dans ce studio. Notre collègue Eric Manirakiza. Eric, bonsoir, toujours sous les émotions. Bonsoir Yacouba, je constate qu'aujourd'hui tu t'es levé du bon côté. L'Afrique arrive en demi-finale, absolument, l'exploit absolument. Du Maroc. Absolument, oui. Absolument, je me porte très bien. Elle est aussi avec nous dans son habituel canapé, Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Alors pour aujourd'hui, hein, on aura pas mal de choses. D'abord sous peu, on va voir comment la Coupe du Monde séduit les femmes au Soudan notamment. Mais nous aurons aussi évidemment notre clin d'œil à un fou ou une folle de foot, cette fois-ci au Maroc.
Voilà, qui est bien dit. Et puis, c'est sa première intervention dans ce magazine. Hamdi Nassi, journaliste sportif sénégalais, aujourd'hui marocain, est avec nous via Skype depuis Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Bonsoir, Hamdi. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la VOA. Aujourd'hui, Hamdi Nassi porte le maillot des Lions de la Terada, mais Hamdi Nassi est un lion de l'Atlas aujourd'hui. Fier d'être marocain, Yacouba. Merci, Hamdi, de nous transmettre cette fierté et ces émotions. Il est là où ça se passe, il va nous rejoindre en cours d'émission. Lui, c'est Amine El Amri, il est journaliste sportif marocain, il est présentement à Doha au Qatar. Amine, donc, on va retrouver sous peu. Merci à tous de votre présence. Hamdi, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, vous avez sans doute appris la nouvelle. Grant Wall, le journaliste sportif américain de 49, est décédé hier vendredi au Qatar lors de la rencontre entre l'Argentine et le Pays-Bas. Il couvrait justement ce match-là. Il se serait écroulé victime d'un malaise et n'a pas pu être réanimé. Une nouvelle qui suscite une vive émotion parmi les médias américains et internationaux en marge de cette Coupe du Monde 2022. Repose en paix, Monsieur Grant Wall. Hamdi, je reviens à vous. Le Portugal est out de la Coupe du Monde, bouté hors de la compétition par les Lions de l'Atlas, qui qualifient en même temps l'Afrique et le monde arabe pour la première coupe, la première demi-finale bien sûr de la Coupe du Monde de l'histoire de la participation des Africains à un mondial. C'est tout simplement historique et c'est un véritable exploit. C'est un véritable exploit, c'est historique, puisque l'Afrique a déjà tenté à trois reprises avec le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. Mais les trois essais ne s'étaient pas concrétisés. C'est le Maroc qui vient de concrétiser le quatrième essai qui a été le bon. Et le Maroc qui se qualifie pour la première fois avec une équipe héroïque, il faut le dire, une équipe bien organisée, une équipe courageuse avec 11 joueurs et les remplaçants qui ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre, mais avec un certain Yacine Bounou qui a été impeccable, Yacine Bounou, le dernier rempart des Lions de l'Atlas, il a été tout simplement phénoménal en arrêtant quand même des buts. Il a été tout simplement phénoménal. Donc, il faut dire que cette équipe marocaine a été impeccable, héroïque. Si vous regardez, que ce soit contre l'Espagne, que ce soit contre le Portugal, ils ont joué très organisé avec un bloc bas. Quand ils ont le ballon, ils font tout pour en faire bon usage et avec un attaquant qui a été réaliste, puisque le gardien Costa a commis une erreur sur son intervention et il a été à bord de l'arc de surface, un excellent attaquant en marquant le but. Voilà. Avec cette qualification, Yacouba, ce n'est pas une première. Oui. Parce que le Maroc a été la première équipe africaine à nous offrir une qualification au deuxième tour. C'était en 1986. Hamdi, vous aurez encore l'occasion de développer tout cela. Et donc, il rappelait juste que le Maroc a été le premier pays africain à qualifier l'Afrique, bien sûr, pour les huitièmes de finale. C'était en 1986. Alors, Eric, je m'adresse à vous. De cette phase de groupe assez difficile avec la Belgique et la Croatie dans le même groupe, puis cette élimination de l'Espagne, la grande Espagne, en huitièmes de finale, et encore ces matchs difficiles face au Portugal en quart, les Marocains ont été tout simplement héroïques. Yacouba, ils ont été extraordinaires avec un plan de jeu bien structuré et les joueurs qui exécutent avec beaucoup de précision. Ce Maroc, c'est une équipe impressionnante, qui est séduisante et qui est capable de regarder dans les yeux n'importe quelle équipe. Je pense que chaque équipe qui va croiser le Maroc sur son chemin va avoir peur. Donc aujourd'hui, le Maroc a inscrit son nom dans les grands de son monde, dans les grands du football. On peut juste leur souhaiter bonne chance pour la suite, les demi-finales. Ils arrivent en demi-finale, quand même, il faut le reconnaître, diminué parce qu'ils ont beaucoup de blessures. J'espère que ils pourront récupérer certains joueurs comme Ziyech, notamment.
Justement, Eric, c'est peut-être l'une des clés, hein, de cette équipe du Maroc. On les croit toujours arriver diminués. C'était le cas en quart de finale face au Portugal aujourd'hui. On a vu ce que ça donnait. Et justement, on ne va pas être loin de vous. Hein, les matchs des quarts de finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022 ont débuté hier vendredi. Et on connaît l'affiche, hein, de la première demi-finale. Ce sera un duel entre l'Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric. L'autre demi-finale opposera bien sûr le Maroc au vainqueur du quart de finale qui va bientôt commencer entre la France et l'Angleterre. Le choc France-Angleterre, justement, c'est dans quelques minutes à 19h temps universel. L'Afrique, en attendant, disons, hein, l'Afrique et le monde peuvent tout simplement célébrer cette équipe marocaine. Eric Manirakis a bien sûr a retracé, hein, le parcours des Lions de l'Atlas depuis le début de la compétition jusqu'en quart. Regardez. Le Maroc, nouvelle génération, s'est hissé vers les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Il a fait en sortant premier dans le groupe F relevé avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Bilan de victoires dont une héroïque contre la Belgique et un match nul. Les Lions de l'Atlas ont inscrit 4 buts et concédé un seul. Une réalisation contre son camp de Naïf Aguer face au Canada. Premier pays d'Afrique à sortir des poules en 1986, les Marocains on fait mieux que la génération Badouzaki, Mary Crimo, battue par une frappe de Lothar Matthäus dans les dernières minutes au Mexique. 36 ans après, le Maroc, porté par le sélectionneur Walid Regragui, a déjoué la malédiction de 1986 à beaucoup de nouveaux héros à fêter. D'abord le gardien Yacine Bounou qui a stoppé les tirs de Carlos Soler et Sergio Busquets en 8e. Sofiane Amrabat est un autre symbole de cette défense qui n'a encaissé aucun but de ses adversaires au Mondial 2022. Le milieu défensif a tenu le mur rouge pendant 120 minutes et plus, taclant, récupérant, relançant, commandant. Hakimi, auteur du tir au but vainqueur contre son pays de naissance, a aussi livré un énorme match parfaitement préparé par Walid Regragui. C'est un accomplissement historique pour le Maroc qui égale la meilleure performance d'une nation africaine au mondial. Voilà, le Maroc qui fait mieux et qui se qualifie donc pour les demi-finales. Justement, les Marocains connaîtront leurs adversaires des demi-finales à l'issue du match qui commence tout à l'heure, je le disais, à 19h entre la France et l'Angleterre. Eric, France-Angleterre, c'est visiblement, hein, le plus gros choc de ces quarts de finale. Effectivement, Yacouba, les Marocains connaîtront donc leurs adversaires, comme tu le dis, à l'issue du match de tout à l'heure. Et mesurons, si on regarde les failles de la France, il se situe derrière et sur le banc. Elle a encaissé un but par match. Ses latéraux ne donnent pas toutes les garanties et son équipe B, alignée contre la Tunisie, a été franchement décevante. En face, avec la meilleure attaque du tournoi, avec 12 buts, le danger vient de partout. L'Angleterre compte 8 buteurs différents sur le tournoi. Et Gareth Southgate, c'est l'entraîneur à l'embarras du choix. Kane, Rashford, Saka, Bellingham, Grealish et Foden. Et Sterling, s'il est revenu après son retour en Angleterre pour problèmes familiaux, le bas blesse peut-être en défense avec la relative lenteur de sa charnière centrale, surtout opposée à Kylian Mbappé, mais l'arrière-garde anglaise n'a pas encaissé de but depuis 3 matchs. Yacouba. Voilà le point de ce match-là, bien sûr, qui est fait par Eric Manirakis. On te dit merci. Amdine, c'est le quart de finale, hein, qui retient le plus l'attention. Tout à fait, Yacouba. C'est un quart de finale explosif entre deux voisins, la France et l'Angleterre. On connaît cette rivalité qui existe entre ces deux grandes nations de football. Grandes nations de football parce qu'on dit que c'est l'Angleterre qui a créé le football, mais la France est en train de rivaliser avec les grandes nations comme le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine. Donc en ce moment même, c'est ballotage un peu favorable pour la France qui détient non seulement le titre, mais qui est en train aussi de faire un excellent mondial avec un Kylian Mbappé est plus souffrant, hein, meilleur buteur pour le moment de cette Coupe du Monde, mais un match n'est jamais gagné d'avance, puisque aujourd'hui, les Anglais qui ont gagné ce titre en 1966, ça date de Matusalem, ils feront tout pour essayer quand même de remettre les pendules à l'heure avec cette génération dorée dont Eric vient de citer, avec les Foden, les Grealish,
avec un Harry Kane, un Rabé FIFA, ce sera un match qui s'annonce explosif. Mais attention à la France, puisque les Français sont devenus quand même très, très, très expérimentés par rapport justement, à ce genre de compétition. Justement, Amdine, je reste avec vous. Que ce soit la France ou l'Angleterre en demi-finale, ou ce que le Maroc a montré jusqu'ici, est-ce qu'il y a des raisons de craindre encore pour les Marocains? Non, I don't care, comme disent les Anglais. On n'a rien à craindre, puisque une équipe qui sort, l'Espagne, la grande équipe de l'Espagne, le Portugal de Cristiano Ronaldo, n'a plus rien à craindre. Surtout que les Africains, ils aiment jouer ce genre de match. Moi, je pense que si le Maroc tombe sur la France, ce sera comme en 2002, France-Sénégal. Et si jamais aussi le Maroc tombe sur l'Angleterre, les Marocains, qui sont les cousins des Sénégalais, essaieront de venger les Sénégalais. Donc, moi, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, je m'en fous. Mais, pour continuer sur cette bonne lancée. Merci Amdine Sy. Voilà les Sénégalais qui sont les cousins, bien sûr, des Marocains. Et justement, un Marocain vient de nous rejoindre. Il s'appelle Amine El Amri, le journaliste sportif. Il est sur place à Doha. Amine, bonsoir. On va te demander tout simplement de nous transmettre toutes ces émotions de la qualification marocaine pour les demi-finales. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Amdine. Je vois qu'il a la pêche, Amdine, ce soir. Ça fait plaisir. Non, mais indescriptible, tout simplement, Yacouba, indescriptible, parce que c'est tellement d'euphorie, tellement de joie, tellement de fierté. Très franchement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais je pense que c'est le meilleur moment de ma vie. Je n'ai jamais vécu une allégresse, une euphorie et une joie pareille. Je suis au-delà de la joie, au-delà de l'allégresse. C'est quelque chose d'indescriptible, Yacouba, et c'est tant mieux si on continue, on poursuit l'aventure. Walid Regragui avait dit qu'on ne serait pas au Qatar pour jouer 3 matchs. Eh bien, figurez-vous qu'on va jouer 7 matchs, quoi qu'il en arrive. Et quoi qu'il arrive, je suis déjà très content et très fier de ces joueurs-là, de ce groupe, quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire qui arrive. Voilà, Amine El Amri, qu'on va retrouver en seconde partie d'émission, mais bien avant, eh bien, cette Coupe du Monde Qatar 2022 est suivie de partout, jusqu'au Soudan, où des femmes rêvent justement de football. On retrouve tout de suite Nanit. Il y a effectivement, Yacouba, au Soudan du Sud, une organisation a mis en place des projections pour permettre aux femmes soudanaises de suivre les matchs de cette Coupe du Monde qui se joue au Qatar, mais aussi pour leur offrir l'opportunité de voir ce que les femmes qui aiment le sport peuvent faire, ce que le sport peut, ce que Qatar peut leur offrir comme opportunité. Et donc, je vous invite à regarder ce qui suit. Des femmes et des enfants assistent à la projection des matchs de la Coupe du Monde dans la capitale soudanaise, Khartoum. Le groupe baptisé Al-Arisat, ou l'initiative des femmes gardiennes, affirme offrir un espace sûr aux femmes pour regarder des matchs. L'opportunité de le faire dans les cafés et les espaces publics est souvent limitée aux hommes. Il s'agit, dit le groupe, de montrer à la société que les femmes aussi aiment le football. Regardons ensemble est le slogan des séances de visionnage de la Coupe du Monde à l'initiative Al-Arisat. Nous voulions donner aux femmes la possibilité de regarder des matchs dans un lieu spécial qui leur soit confortable, étant donné que cela n'existe pas pour les femmes. Nous voulions leur donner cet espace sans aucun souci et en même temps montrer à la société qu'il y a des femmes qui aiment le football et le comprennent très bien. Cette année, la Coupe du Monde coïncide avec 16 jours d'activisme contre la violence sexiste que le groupe a utilisé pour se souvenir des femmes victimes de violences. Parmi celles-ci figure Seth Al-Nofour, militante soudanaise, tuée lors des manifestations antigouvernementales en cours depuis fin 2018 et dont les femmes, regardant le match, brandissent la photo. Cette Al-Nofour représente les femmes martyrs au Soudan et nous avons décidé de célébrer et de nous souvenir d'elles. Après l'éviction de l'ancien président Omar el-Bashir en 2019, le Soudan a lancé une ligue de football féminin, une décision qui a permis aux joueuses de faire pression pour une acceptation plus large. Sous Bashir,
le Soudan était gouverné selon une interprétation stricte de la charia et négligeait largement la participation des femmes au sport. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes des joueuses de football et nous avons pris nos droits. Cette cause a atteint la FIFA et a fait pression sur la Fédération de football pour que nous jouions et que nous ayons une ligne pour les femmes et que nous choisissions des femmes pour l'équipe nationale. Et très heureusement, certaines des filles sont maintenant payées. Nous prenons de très bonnes mesures et le nombre de nos équipes a augmenté. Le Soudan dispose actuellement d'une ligue féminine de football et d'un championnat à 21 équipes réparties en 4 groupes. Voilà le pouvoir du foot. Merci Ananit et à tous. Ne bougez pas, nous marquons une courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci de votre fidélité. Je rappelle que vous regardez ce magazine spécial de la VOA consacré à la Coupe du Monde. Yacouba Ouédraoui avec vous, avec moi ici en studio, mes collègues Eric Manirakiza et Nanit Talani, sur Skype via Columbus, à Columbus bien sûr, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine Si, journaliste sportif, toujours sur Skype depuis Doha au Qatar. Amine El Amri, il est également journaliste sportif. Amine, bien sûr, qui nous a rejoint en cours d'émission. Amine, je reviens à vous. Alors, on le disait tout à l'heure, le Maroc est qualifié pour les demi. Il y aura en face la France ou l'Angleterre. Est-ce qu'on se dit, peu importe l'adversaire, on avance? Franchement, je pense que ça a été le mot d'ordre depuis le début de cette compétition. On a affronté la Croatie, qui était vice-championne du monde, la Belgique, troisième et deuxième au classement FIFA. Et le Canada qui a remporté son groupe en CONCACAF lors des éliminatoires. Donc je pense que qui que ce soit, je pense que les hommes de Walid Regragui sont prêts, surtout mentalement. Après, il faudra évoluer à partir de demain l'état physique de certains joueurs, notamment Romain Saïss, Naïf Aguet. Mais on a vu aujourd'hui qu'avec une défense totalement remaniée, une défense qui n'a rien à voir avec celle qui a commencé les premiers matchs, on a su s'adapter à des joueurs de la trempe de Cristiano Ronaldo, Leao, João Mario, João Félix et j'en passe. Donc je pense que le secret de cette équipe, c'est le groupe. Et si le groupe est tellement fort, je pense que quel que soit l'adversaire en demi-finale, on sera prêt. Voilà, qui est bien dit. Quel que soit l'adversaire en demi-finale, le Maroc et l'Afrique et le monde arabe, bien sûr, seront prêts. Cette Coupe du Monde a connu beaucoup de problèmes avant son coup d'envoi. Des problèmes liés aux droits des travailleurs migrants, entre autres. Aux personnes, les discriminations également ont été évoquées à l'égard des personnes LGBT et Q. Mais finalement, Eric, la compétition a lieu et elle se passe bien. Tout à fait, Yacouba. Décrié avant son coup d'envoi, pour de multiples problèmes liés aux droits des travailleurs, notamment les migrants et d'autres discriminations à l'égard des personnes LGBTQ, entre autres. Cette Coupe du Monde du Qatar se passe néanmoins
bien et tient ses promesses. C'est ce que affirme le président de la FIFA, Gianni Infantino. Suivez. Well, of course, we hope that the World Cup continues and concludes as it has started. Bon, bien sûr, nous espérons que la Coupe du Monde se poursuivra et se terminera comme elle a commencé. Un succès fantastique. Je suis sûr que nous atteindrons les 5 milliards de téléspectateurs dans le monde. En ce qui concerne l'affluence dans les stades, ceci s'affiche complet, pratiquement à chaque match. Les festivals, les supporters, les différentes fan zones sont aussi très fréquentées par des gens qui font la fête et s'amusent. Au bout du compte, nous voulons simplement donner de la joie et des sourires aux gens du monde entier. Et c'est ça le football, c'est ça la Coupe du Monde. C'est ça, le football, c'est ça la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde Qatar 2022-là, elle nous a réservé beaucoup de surprises. Amdine, en première demi-finale, Croatie-Argentine, la Croatie qui bout hors de la compétition, le Brésil. Vous vous attendiez ? Oui, je m'attendais un peu à cette performance des Croates, qui, il faut le dire, ont été les finalistes de la dernière édition. Hein. Il ne faut pas l'oublier, le Brésil n'était pas à ce stade de la compétition. Mais si on regarde ce quart de finale, mais les Croates, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont joué un match à merveille, avec vraiment un bloc défensif, et ils ont coupé toutes les transitions pour les Brésiliens qui ont quand même un arsenal offensif. Il fallait le faire et ils l'ont fait. C'est vrai que Neymar a réussi à marquer un but, mais ils ont su réagir. Et ils ont négocié jusqu'à la série de tirs au but avec un jeune et excellent gardien de but. Ils ont mis en échec les Brésiliens et ils se sont qualifiés. Moi, je pense que c'est une qualification naturelle. Même si on est d'accord avec que le Brésil, c'est un grand pays de football, cette année, ils ont eu une belle équipe, mais le collectif aussi, c'est du côté croate, avec un Modric quand même qui a comme ses gens. Merci Amdine Sy. Merci Amdine. On aura l'occasion, bien sûr, de redévelopper tout cela dans d'autres émissions. Beaucoup d'amoureux du ballon rond sont au Qatar, des fous ou folles de foot. On en trouve également sur le continent. Tout de suite, vous l'avez compris, c'est la rubrique fou ou folle de foot et c'est avec Nanit Talani. Classe ont déjà marqué cette Coupe du Monde en montrant de très belles choses. Nous allons nous rendre à Casablanca cette semaine pour découvrir d'où vient cette force mentale des joueurs marocains. L'un des secrets, c'est le soutien sans faille de supporters inconditionnels comme Mohamed Hamak. Ce directeur d'exploitation dans un restaurant asiatique basé à Casa est fou de foot depuis 30 ans. C'est notre correspondant à Casablanca, Emmanuel Ngapela, qui l'a suivi dans son univers. Regardez. Bonjour, je m'appelle Mohamed Hamak, je suis un foot. Alors, dans la vie, je suis un directeur d'exploitation au sein d'une chaîne de restauration asiatique. Ma passion pour le foot a démarré il y a à peu près 30 ans quand j'avais 7 ans, c'était avec mon père. Donc c'était un amour de jouer et de s'amuser et de s'éclater avec mon père. Mon entourage pense que je joue bien, j'aime bien le foot, que je peux donner le meilleur pour le foot. Ah, très bien. Donc, alors l'équipe, ça va? Alors, la réunion aujourd'hui, c'est pour faire... Alors, pour supporter mon équipe, je suis prêt à me déplacer. Je suis prêt à crier, je suis prêt de chanter et d'être toujours avec eux pour le bien et le meilleur. Le riz, il est très bien. On évolue à la forme. Le rouleau, il est carré. C'est excellent, bravo. Voilà, un sujet que vous pourrez suivre sur nos réseaux sociaux et notre site, voafrique.com. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. C'est allé très vite avec côté Eric Manila Kiza et Nanit Talani. On était également avec Amin El Amri et Amdine Sy sur Skype. N'oubliez pas la grande nouvelle du jour, le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. On se retrouve la semaine prochaine, espérant que le Maroc serait en finale. Au revoir.